Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée à IPv6 et plus particulièrement à l'Internet des objets. Je suis Laurent Toutain, donc je suis professeur à l'IMT Atlantique et je suis tombé dans IPv6 quand j'étais tout petit et j'ai participé au premier déploiement en France avec le G6. Il en reste un livre qui est toujours d'actualité et qu'on peut retrouver sur Internet. Le lien est dans la description. Puis après, je me suis tourné plus vers l'Internet des objets et plus précisément, comment mettre IPv6 sur des réseaux qui ont de très faibles capacités. Alors tout d'abord, un peu d'histoire. Cette courbe qui représente la taille des tables de routage dans le cœur du réseau. Elle nous permet aussi d'avoir une bonne idée sur l'évolution de l'Internet. L'histoire commence au début des années 80, quand IPv4 est défini. Il se répand peu à peu dans le milieu universitaire et de la recherche. Toute personne qui se connecte au réseau peut très facilement obtenir un préfixe. Parmi les concepts importants qui ont permis à IPv4 s'imposer, on peut noter que les adresses sont globales, donc on peut parler à n'importe qui sur le réseau, et l'adresse a une taille fixe sur 32 bits qui permet un traitement efficace dans les équipements d'interconnexion, c'est-à-dire les routeurs. Le réseau se développe petit à petit et l'arrivée du web au début des années 90 va favoriser sa croissance car il faut une interconnexion globale pour que le web fonctionne. Dans les années 90, les premiers signes d'essoufflement du réseau commencent à apparaître et cela va alimenter une réflexion sur l'avenir du réseau car 32 bits pour l'adresse, soit 4 milliards d'adresses, ne n'est pas suffisant pour un réseau mondial. À cette époque, donc dans les années 90, plusieurs mesures sont prises pour limiter le besoin d'adresses et le gaspillage. En particulier, les adresses privées sont introduites. Cela permet de contenir la croissance. Grâce à des dispositifs comme le NAT, il est possible à une machine ayant une adresse privée d'accéder à un serveur qui doit, lui, avoir une adresse publique. Mais l'inverse n'est pas possible. Donc cela va dans le sens du cloud computing. Les serveurs sont dans des zones où les adresses publiques sont disponibles. Et les utilisateurs partagent quelques adresses publiques pour y accéder. En même temps que ces mesures pour réduire la demande d'adresses, des travaux ont démarré pour trouver un successeur à IPv4. Cela débouchera à IPv6, qui, en fixant la taille de l'adresse à 128 bits, permet un adressage quasi infini. Mais cela ne réduit pas l'engouement pour IPv4, comme le reste de la courbe le montre. Le nombre de préfixes annoncés dans le réseau augmente continuellement. Sauf au début des années 2000, avec l'explosion de la bulle Internet. Mais la pression sur les opérateurs de réseau est de plus en plus forte et on demande de ne plus gaspiller d'adresses. Mais ce qui devait arriver arriva et en 2011, les derniers préfixes sont alloués aux opérateurs. Mais on voit que ça n'a pas limité la croissance des tables de routage, bien au contraire. Cela provient d'une fragmentation de plus en plus grande de préfixes et d'un marché plus ou moins contrôlé de revente de préfixes. Ce qui est rare et cher, donc le prix actuel d'une adresse IPv4 peut être estimé à une cinquantaine de dollars. Avant d'aller plus loin, je vous propose de voir ou de revoir l'architecture couramment utilisée dans les réseaux Internet. Cette vidéo est extraite d'un MOOC, Plido, Programmer l'Internet des objets. Les liens sont dans la description. Vous connaissez sûrement le principe d'empilement protocolaire dans les réseaux. Chaque protocole fournit un service et se base sur celui de la couche inférieure pour le réaliser. Le modèle d'origine définit 7 couches pour transporter les données d'une application n'importe où dans le monde. L'Internet a simplifié cette architecture, c'est pour ça que l'on retrouve moins de couches et que les numéros ne sont pas contigus. Les deux premières couches, en partant du bas, permettent de transmettre les données binaires sur un support physique, ou des ondes radio. Plusieurs organismes standardisent des protocoles pour ce niveau. Parmi les plus connus, on peut citer l'I3E pour les réseaux comme Ethernet, Wi-Fi ou Bluetooth. On peut également citer le 3GPP qui standardise les protocoles qu'on retrouve dans votre téléphone portable. Chacun de ces protocoles est conçu pour fonctionner dans un environnement particulier. Au-dessus, on a le protocole IP, standardisé par l'IETF. Il permet de construire un réseau mondial uniforme en cachant les spécificités des protocoles de niveau 2. IP définit ses règles d'adressage et de routage, c'est-à-dire comment trouver un chemin dans le réseau pour qu'en recopiant l'information de nœud en nœud, on atteigne la destination. Les experts de l'Internet aiment cette représentation en sablier
où IP apparaît en position centrale, mais est plus petit comparé aux autres protocoles. Par conception, IP est très simple, à la fois pour être porté facilement sur de nombreux niveaux 2 et être facilement utilisable par les couches hautes, mais également pour traiter les données très rapidement dans les nœuds d'interconnexion. Au-dessus, on trouve deux protocoles qui ne sont mis en œuvre que dans les équipements d'extrémité. L'adresse IP permet de trouver une machine sur le réseau, les protocoles de niveau 4 permettent de trouver une application tournant sur la machine. TCP est très complexe et demande beaucoup de mémoire. Il permet de contrôler ce qui se passe sur le réseau et de retransmettre les données perdues et de déterminer le débit d'émission optimal. UDP, par contre, est un protocole minimal qui se contente d'aiguiller les données vers la bonne application sans aucun contrôle. Au-dessus, on trouve les applications qu'historiquement on classe dans la couche 7. Les applications sont très nombreuses, mais la plus répandue est HTTP qui sert à transporter les pages web. Mais également, elle permet les communications directes entre ordinateurs. Ce schéma reprend la pile protocolaire majoritairement utilisée dans l'Internet. On voit qu'au niveau 3, on a deux versions du protocole IP. La version 4 est la version historiquement déployée, et elle a eu tellement de succès qu'il est de plus en plus difficile d'avoir des adresses IPv4 pour les machines. Pour permettre au réseau de continuer de fonctionner, une nouvelle version a été développée. IPv6 rend l'adressage quasi infini avec des adresses sur 128 bits. IPv6 gagne petit à petit du terrain dans les usages classiques, mais c'est surtout une brique essentielle pour l'Internet des objets. Finalement, ce graphique ajoute une couche supplémentaire au-dessus de la couche 7 pour indiquer comment les données transportées sont structurées avec des formats comme XML ou JSON, que nous verrons dans la suite du cours. Voilà, on a vu l'architecture des réseaux classiques. Dans cette seconde vidéo, on va voir comment elle évolue pour prendre en compte les objets contraints et mettre de plus en plus en valeur IPv6. Nous avons vu la pile protocolaire utilisée dans l'Internet classique avec les protocoles les plus répandus. Nous allons regarder aujourd'hui son évolution pour intégrer les objets communicants, contraints en mémoire et autonomes énergétiquement. Concernant le niveau 2, le but est de gagner en énergie lors des transmissions. Déjà, on peut dire adieu à Ethernet, car cela imposerait d'utiliser une infrastructure filaire, et donc on ne pourrait pas placer les objets où on veut, surtout s'ils se déplacent. Les communications par onde radio sont privilégiées pour l'Internet des objets. Le Wi-Fi est également trop gourmand en énergie, on lui préfère donc une évolution appelée I3E802.15.4 qui reprend son principe de fonctionnement mais l'adapte à un faible débit et à des trames de petite taille. En particulier pour économiser l'énergie, la portée est réduite à une dizaine de mètres et il faut généralement utiliser des relais pour atteindre une destination. Bluetooth a été adapté pour des objets avec une basse consommation, BLE pour Bluetooth Low Energy. Côté téléphonie cellulaire, les protocoles évoluent pour prendre en compte les objets. La norme 4G a intégré les communications à plus bas débit. La 5G inclura une classe permettant des communications avec les objets, économes en énergie et réduisant les temps de latence. Finalement, une nouvelle classe de réseaux est apparue avec les réseaux LP1. Ils sont dédiés aux objets. LP1 veut dire Low Power Wide Area Network. Ils permettent de transmettre à faible puissance sur de longues distances. 2 km en ville et 20 km en campagne. Par contre, les trafics sont fortement contraints. Les deux représentants les plus connus sont Sigfox et LoRaWAN. Nous verrons plus en détail comment les utiliser et si vous avez la chance d'avoir un PyCon, vous pouvez expérimenter sur ces réseaux. Au niveau 3, on va vers l'utilisation d'IPv6 puisque la version 4 a son espace d'adressage saturé. Mais IPv6 implique des antennes plus grandes. Ce qui est gênant, car les réseaux de niveau 2 transportent de plus petites trames. On a donc deux sous-couches d'adaptation qui vont comprimer les entêtes. 6LoWPAN pour les réseaux de type I3E802.15.4 et SCHE ou SHIC pour les réseaux LP1. Au-dessus, on avait vu que comme HTTP était dominant, TCP l'était aussi. Mais pour l'IoT, ce n'est pas optimal. En effet, TCP et HTTP sont des protocoles complexes qui demandent beaucoup de mémoire. Pour réduire l'impact de la pile protocolaire, l'IOTF a défini un nouveau protocole appelé CoAP qui demande que quelques kilooctets pour fonctionner. CoAP repose sur UDP, ce qui simplifie encore la mise en œuvre. CoAP permet de manipuler des ressources identifiées par leur URI,
donc s'insère sans problème dans l'architecture du web. Pour la structuration des données, XML n'est pas utilisé car il est trop bavard. JSON est beaucoup plus efficace pour transporter des informations structurées. Il existe un équivalent binaire, que nous verrons par la suite, Cibor, qui est beaucoup plus performant, simple à mettre en œuvre et compatible avec JSON. Finalement, la beauté de la pile protocolaire de l'Internet, c'est qu'on n'est pas obligé de tout mettre en œuvre. Par exemple, le compteur électrique Linky, que tous les Français connaissent, en implémente qu'une partie. Au lieu d'utiliser CoAP, les électriciens utilisent leur propre application suivant la norme DLMS-COSEM. Celle-ci repose sur UDP, puis IPv6 et 6LoWPAN, et finalement sur une variante de I3E802.15.4 adaptée pour transporter l'information sur les câbles électriques. La pénurie d'adresses IPv4 a un impact sur le réseau. Les utilisateurs vont avoir un adressage privé, ils pourront atteindre les serveurs via un ou plusieurs NAT. Cela conduit à une centralisation des services qui renforce l'utilisation du cloud computing et du mode de fonctionnement client-serveur. Et ça a évidemment un impact sur les protocoles parce qu'on est toujours dans un mode que demande réponse. Les applications comme le web sont très populaires et donc très liées à l'histoire du réseau, et donc avoir une connectivité IPv4 est nécessaire pour être joint par tous les utilisateurs. Pour l'Internet des objets, c'est un peu différent car on peut mettre en place des services natifs qui n'ont pas d'équivalent en IPv4. On verra par la suite comment les mettre en œuvre. Mais on retrouve des situations où on doit utiliser IPv4, comme quand on passe par certains réseaux d'opérateurs. Par exemple, la 4G inclut des réseaux Narrowband IoT ou LTE-M qui sont dédiés aux objets en limitant la consommation de ceux-ci. Dans l'exemple ici, on a un capteur qui envoie de temps en temps une valeur. L'objet va avoir une adresse privée dans le réseau de l'opérateur et un NAT va la traduire en public pour que les données soient reçues par un cloud. Comme dans une architecture traditionnelle, l'entreprise devra également passer par un cloud pour accéder à ces données. Il est complexe de récupérer directement les données si on reste en IPv4 et que l'on ne dispose pas d'adresse publique. Un autre problème que l'on a noté avec les NAT, c'est qu'il est très dur de garder la même adresse publique pour un capteur si celui-ci envoie très peu de données. En effet, les NAT gardent leur traduction stable que si le flux de données est conséquent. Mais si les données sont émises de temps en temps, le NAT va donner une nouvelle identité à chaque émission et donc il sera beaucoup plus difficile d'identifier l'objet avec son adresse publique. On peut aussi se passer d'adresse IP. C'est une tendance que l'on voit avec des réseaux opérés comme LoRaWAN ou en 4G, NIDD, Non-IP Data Delivery. LoRaWAN introduit la notion de LNS, LoRa Network Server. L'objet émet ses données, elles sont reconnues et authentifiées par le LNS qui est configuré pour l'envoyer à un serveur dans le cloud via par exemple un post HTTP. Mais si la partie radio est bien standardisée par la LoRa Alliance, la partie entre le LNS et l'application est dépendante de l'opérateur. Ainsi, pour passer d'un réseau LoRaWAN, par exemple de Bouygues Télécom à celui d'Orange, il faut complètement revoir la gestion des objets et des applications qui les traitent. L'absence d'IP, dans cet exemple, se traduit par un manque d'interopérabilité. Pour finir cette partie, quelques propriétés intéressantes d'IPv6 pour l'IoT. Le paquet est plus simple qu'en IPv4, car il possède moins de champs. Les valeurs dans les champs sont très stables, ce qui facilite la compression des entêtes pour en réduire l'impact, comme on le verra par la suite. La taille des champs de l'adresse est multipliée par 4, ce qui fait qu'il n'y a plus de pénurie possible et que l'on peut ainsi faire de l'autoconfiguration. IPv6 dispose d'un protocole compagnon, Neighbor Discovery, qui autorise l'autoconfiguration et qui peut être utilisé avec les objets qui ne disposent pas de clavier ou d'écran. Comme on l'a vu dans la vidéo d'architecture, des organismes de standardisation ont défini des protocoles beaucoup moins gourmands en ressources. C'est le cas par exemple de I3E802.15.4, qui peut être vu comme une version économe en énergie du Wi-Fi.
Mais ce protocole a des limitations, comme la taille maximum de la trame, 127 octets, et une portée limitée qui impose le relayage si l'on veut couvrir une large zone. Les protocoles de l'IETF pour l'informatique traditionnelle ne peuvent pas être utilisés directement sur I3E 802.15.4. Les trames sont trop petites, les algorithmes de routage comme OSPF deviennent trop bavards et usent trop vite les batteries. Donc plusieurs types de travaux ont été conduits à l'IETF pour pouvoir les adapter aux objets. Le premier, c'est de réduire la taille des entêtes IPv6 en proposant une couche de compression, ce qui va donner 6LoWPAN. On va aussi adapter Neighbor Discovery à un réseau de portée très limitée. Et enfin, développer un nouveau protocole de routage appelé Ripple. La compression d'entêtes introduite par 6LoWPAN ne doit pas interdire le relayage des trames par les nœuds intermédiaires. 802.15.4 a une portée limitée et le relayage est souvent nécessaire pour atteindre la bonne destination. La compression se base sur le principe de ce qui ne peut pas être deviné par le destinataire doit être transmis. Pour l'aider à le deviner, on va introduire un bitmap qui va donner des indices. Par exemple, le 6 de la version de protocole n'a pas à être transmis, vu que cette valeur ne change jamais. Idem pour la longueur du paquet, le récepteur peut la mesurer. Pour le reste, on va donner des indices dans le bitmap. Pour le hop limit, qui indique le nombre de sauts, il y a plusieurs valeurs bien connues, 1, 64 et 255. On va utiliser deux bits, 1, 1, 0, 1 et 1, 0, pour les coder. Et la dernière valeur va indiquer que la vraie valeur sera transmise après le bitmap. Il en va de même avec les adresses. Si on a une adresse IA locale commençant par FE80, on va l'indiquer dans le bitmap. Si l'identifiant d'interface contient l'adresse de la machine, le récepteur pourra la reconstruire en regardant l'adresse de la trame 802.15.4. De cette manière, l'entête IPv6 d'un message Neighbor Discovery peut passer de 40 à 4 octets, laissant de la place pour l'information de configuration. Pour un paquet de données, la compression est un peu moins forte, mais on peut diviser par 3 la taille de l'entête. Pour le routage, le protocole Ripple a été développé. Il se base sur une propriété des réseaux de capteurs. Généralement, les capteurs parlent très peu entre eux. On a donc généralement affaire à des communications entre un capteur et un équipement à l'extérieur, ou vice-versa. Ripple va donc construire des graphes orientés qui permettent de prendre en compte plusieurs chemins possibles pour sortir du réseau. Dans le sens inverse, le routeur de bordure construit sa topologie du réseau et l'envoie au capteur en indiquant le chemin à suivre. Le mieux est de demander à Pascal Tubert, qui a conduit la standardisation de ces protocoles chez Cisco, de nous expliquer les choix qui ont permis le développement de 6LoWPAN et de Ripple. Bon, enchanté, je suis Pascal Tubert, j'ai 35 ans maintenant de recherche et développement dans le monde du réseau. J'ai commencé chez IBM et ensuite j'ai passé une vingtaine d'années chez Cisco. Et mon travail a été en grande partie centré sur IPv6 et son application dans le domaine de la mobilité, de l'Internet des objets, et très très centré sur les applications radio de manière générale. Je participe à l'IETF depuis une vingtaine d'années. J'ai contribué à la conception de standards comme NeMo, 6LoWPAN, Ripple. L'idée centrale, l'idée phare a toujours été d'étendre la portée d'IPv6 dans les domaines les plus extrêmes où IP n'allait pas jusqu'à présent. Par exemple, les réseaux mobiles, les réseaux sans fil, les réseaux industriels qui ont besoin de déterminisme et les réseaux extrêmement contraints, donc le domaine classique de l'IoT. Alors, tous les standards qu'on développe depuis une vingtaine d'années à l'IETF, donc tout ce qu'on a fait sur l'IoT, tout ce qu'on a fait sur la compression, a été fait dans le monde d'IPv6. Et la raison initiale pour ça, c'était la capacité de monter à l'échelle avec les adresses extrêmement larges, donc des nombres de nœuds très importants par subnet. Mais de base, non seulement maintenant on a ces problèmes de dressage, qui donc ne sont pas compatibles avec IPv4, mais en plus les standards eux-mêmes ne sont plus définis que pour IPv6. Donc je dirais non, on ne peut pas aller faire tout cela avec IPv4, c'est hors sujet, c'est dépassé. Je pense hein, qu'un protocole qui arrête d'évoluer,
est un protocole qui est condamné. Ça ne veut pas dire qu'il va mourir très rapidement, hein. IPv4 n'évolue plus beaucoup, il est extrêmement stable et honnêtement, il va encore durer 20, 30, enfin, on n'a pas fini d'entendre parler d'IPv4. Mais l'évolution, la création de nouvelles capacités, de nouvelles possibilités, se fait sur IPv6. Et donc, sur le long terme, on peut penser qu'IPv6, ce n'est pas forcément rapide, mais va remplacer IPv4, justement grâce à cette capacité d'évolution qu'il ne faut pas qu'IPv6 perde. Donc, on voit IPv6 évoluer dans le cadre de l'IoT, on le voit aussi évoluer dans d'autres technologies comme Segment Routing, par exemple, SRv6 est une évolution majeure d'IPv6. Et on voit aussi maintenant des propositions à .NET pour permettre les réseaux de niveau 3 déterministes à grande distance à base d'IPv6. Sixlopan a d'abord été utilisé par le protocole ISA100, qui est la première instance que je connaisse qui mixe à la fois les propriétés de réseau déterministe et IPv6. Le déterminisme dans ce cas se traduit par l'utilisation d'une technologie MAC schedulée, c'est-à-dire que les trames doivent être envoyées à des instants précis, à des fréquences précises, préparées à l'avance, et un routage centralisé. Ils assemblent un système manager qui précalcule l'ensemble des routes et l'ensemble des transmissions de manière à ce que le réseau tourne littéralement comme une horloge avec de la redondance intégrée. ISA100 est le premier réseau, encore une fois, que je connaisse, qui utilise Sixlopan header compression pour le support d'IPv6, sachant qu'en fait, on a finalisé et retravaillé header compression. Il y a eu plusieurs RFC. Le RFC final est littéralement celui qui a été fait en agrément avec ISA100. Maintenant, dans le monde du best effort, donc au-delà de l'industriel, le MAC TSCH est aussi utilisé pour donc des transmissions à la demande. Et ça, c'est sur quoi on a focalisé à l'IETF avec Sixtiche. Pour les applications de Smart Grid, on retrouve une stack, la même stack que celle de Sixtiche, dans le standard Wison qui va publier 1.1, donc qui commence à être extrêmement stable et déployé par millions de nœuds dans le monde. Pour Wison, le MAC a évolué. Pour monter à l'échelle, on a des réseaux de milliers de nœuds. Et c'est des nœuds qui peuvent ne parler qu'une fois par jour ou tous les quelques jours. Donc, ce qu'on veut, c'est ne pas avoir de problème de synchronisation précise. Donc, on a fait un MAC qui est plus étendu dans le temps avec du CSMACA à l'intérieur dans les plages longues de Channel Hopping. La stack Sixtiche est entièrement à base de composants de l'IETF et de l'I3E, avec non seulement Sixlopan Header Compression, HC, mais aussi Ripple. Et Sixlopan ND. Au-dessus, on construit typiquement des applications REST à base de CoAP, UDP. C'est ça qui est vraiment extraordinaire. On a longtemps entendu, mais vraiment, ça a été un motto, qu'IP, de manière générale, IPv6 en particulier, n'était pas compatible avec l'IoT, des headers trop gros, des protocoles trop bavards, avec en particulier une utilisation trop intensive des broadcasts dans le routage et dans la découverte des nœuds pairs, donc IPv6 Never Discovery. On a retravaillé tout ça, mais on a conservé l'essence d'IPv6 et la compatibilité avec IPv6. Sixopan-ND et son intégration avec Ripple sont une évolution majeure dans la structure du subnet d'IPv6 qui devient multilien. Par exemple, bien qu'il soit extrêmement optimisé et très, très nouveau par rapport aux standards de routage habituels, Ripple est un vrai protocole de routage de niveau 3 à base de distance vecteur qui utilise ICMPv6 sur des adresses link locales pour communiquer de routeur en routeur. Il propose des avancées majeures, tout cela afin d'économiser la mémoire, le spectre radio et en fin de compte l'énergie. Nous travaillons maintenant aux adaptations permettant un routage centralisé pour le monde de l'automation. Donc, on parlait du ISA 11A tout à l'heure. Et en même temps, on travaille à une version entièrement réactive, Ripple et ODV, pour les applications IoT assez particulières qui demanderaient peu de routes
La même architecture multilien se retrouve dans les réseaux Matter et Thread. En fait, Matter, c'est les couches au-dessus de Smart Home, Smart Building, et Thread, c'est la partie réseau. Elle réutilise le Mac 802 15.4, mais pas la partie TSCH scheduler. Et elle utilise un protocole différent pour le routage, un protocole plus classique que Ripple, qui permet une meilleure optimisation des routes à l'intérieur du réseau au détriment de la montée à l'échelle et de la consommation d'énergie. Par contre, Thread utilise toujours 6 Top-Hat Header Compression et IPv6. Donc, les composants fondamentaux au niveau architecture, l'aspect multilien, l'aspect IPv6, 6 Top-Hat Header Compression, tout ça se retrouve sur l'ensemble des technologies dont on a parlé, y compris Matter et Thread. Ce qui est clair, c'est qu'on a commencé ces travaux sur l'architecture multilien dans le cadre de l'IoT. Par contre, si on remonte dans l'histoire d'IPv6, l'idée de faire du NBMA et ce qu'on appelait du Multilink Subnet a toujours existé. C'était une promesse de l'IETF. Aujourd'hui, grâce à l'IoT, le subnet multilien a été démontré à l'échelle avec des milliers de nœuds dans les applications Smart Grid Wi-Sun à base de 6LoWPAN-ND et de Ripple. Dans ce monde-là, le subnet n'est plus organisé autour d'un lien broadcast comme l'Ethernet dont on a l'habitude avec des switches. Et surtout, fondamental, l'utilisation des broadcasts dans l'opération d'IPv6 Network Discovery a été réduite drastiquement. Cela avait été rendu nécessaire par le coût prohibitif des transmissions dans les réseaux IoT radio qui sont souvent opérés en batterie. Tout réseau qui souffre d'une utilisation intensive des broadcasts peut bénéficier de cette architecture. On peut citer par exemple un réseau Wi-Fi étendu, ce que tu trouveras dans une conférence, ou un réseau d'entreprise moderne ou un réseau cloud qui est souvent distribué en multisite au travers des SD-WAN. Pour un réseau comme ça, les broadcasts à l'échelle du réseau sont inapplicables et extrêmement coûteux. C'est pourquoi nous étudions l'architecture IPv6 sur NBMA de manière générale dans le groupe de maintenance d'IPv6 de l'IETF, Sixman, afin de l'employer donc dans un cadre général. Ça ne veut pas dire que ça remplace l'architecture courante à base de broadcast et des existants IPv6 ND, ça devient une possibilité de déploiement quand le déployeur est plus intéressé par, je dirais, une connaissance déterministe de toutes les adresses qui sont présentes sur le réseau, où elles sont, quand elles bougent, de manière à ne plus être sensible aux attaques DDoS contre IPv6 ND, ou ne plus avoir de cas d'adresses qui sont inconnues ou perdues. Un gros intérêt, les autres peuvent rester dormants, en particulier dans le cadre de l'IoT, mais dès qu'on veut faire du vert, hein, de l'économie d'énergie, les autres peuvent rester dormants pendant une grande partie de leur temps et l'infrastructure va continuer à maintenir pour eux l'existence des IP adresses afin de les protéger contre le vol ou l'impersonation. Le draft de l'IETF qui considère donc la nouvelle architecture IPv6 sur NBMA, est maintenant Workgroup Document et l'IETF travaille de manière active dessus. Le protocole 6LoWPAN se retrouve à peu près partout. On peut aussi le porter sur NFC, sur Bluetooth Low Energy, tous les supports qui sont à faible débit. On le retrouve également dans les réseaux de compteurs électriques, de gaz ou d'électricité. David Le Goff nous présente comment la société Silicon Lab utilise ces protocoles. Alors bonjour, je suis David Le Goff, directeur du centre de R&D français de Silicon Labs, basé à Rennes. Silicon Labs est une entreprise de semi-conducteurs américaine qui commercialise des circuits intégrés pour le marché des objets connectés sans fil. Silicon Labs a généré 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires en 2022 avec notre gamme de circuits dans le domaine des compteurs et de la ville intelligente, ainsi que de la maison et de la santé connectée. Nous couvrons un large panel de protocoles sans fil dans les bandes non licenciées, avec des circuits intégrant la radio avec un processeur d'application et un Secure Element. Nos solutions sont directement utilisables car nous fournissons nos propres stacks de protocoles optimisés pour nos circuits.
Matter est un protocole d'interopérabilité basé sur la technologie IP visant à unifier les communications sans fil dans la maison intelligente du futur. Matter est supporté entre autres par Apple, Amazon, Samsung, Google au sein de CSA, qui est une alliance qui s'appelle Connectivity Standards Alliance. Et les appareils supportant le protocole Matter pourront interopérer en toute simplicité et sécurité. La complexité et la non-interopérabilité des différents systèmes proposés au grand public jusqu'à aujourd'hui est le plus grand frein à l'adoption massive dans nos habitations. Et donc aux bénéfices que nous pourrions en tirer en termes de confort, d'économie d'énergie, etc. Les premiers produits compatibles Matter commencent juste à sortir sur le marché, mais peut-être le plus grand signe pour donner une perspective du futur, c'est l'intégration de Matter dans les smartphones, comme vient de l'annoncer Apple dans l'iPhone 15. Tous les moyens convergent pour que Matter devienne le standard applicatif de facto basé sur IPv6 pour la maison. Matter visant à devenir le protocole applicatif ultime de la maison intelligente et donc un de facto standard, il doit se baser sur une couche transport universelle, sécurisée, scalable à l'échelle et évolutive. Les capacités d'adressage unique d'IPv6, entre autres permettant l'identification et donc la sécurisation de chaque nœud du réseau, est au cœur de Matter. Matter hérite du travail d'optimisation et de sécurisation du protocole OpenThread, qui a poussé la connectivité IP jusqu'aux appareils à ultra faible consommation d'énergie, fonctionnant sur pile comme des capteurs d'ouverture de porte ou des interrupteurs sans fil. IPv6 est indispensable pour se mettre à l'échelle. La simplicité et la sécurité qu'apporte Matter est regardée par d'autres domaines comme le monde industriel, qui en fait a des problèmes proches et connexes. Rien que donc toute cette sécurisation de bout en bout est très importante aussi pour le monde industriel. Donc oui, on va observer un usage de Matter au-delà de la maison à terme, c'est à peu près certain. Et d'ailleurs, nous observons une évolution des protocoles sans fil vers le monde IP en général. Premièrement, poussé par les besoins de connectivité vers le cloud, il y a quelques années, mais le phénomène est en train de s'accélérer, poussé par la nécessité de sécuriser de bout en bout et d'une approche zéro trust. Un très bon exemple est celui de la technologie Wison, qui n'est pas très connue en Europe, mais déjà déployée dans plusieurs pays, notamment au Japon. Il s'agit d'un protocole sans fil de type mesh, basé sur IPv6 et offrant une sécurité de bout en bout pour des applications de compteurs électriques ou d'éclairage public. Wison est une technologie ouverte qui permet aux collectivités d'avoir un outil interopérable et concurrentiel basé sur des technologies non propriétaires, éprouvées et à très haut niveau de sécurité et basé sur IPv6, bien entendu. Donc, Silicon Labs, étant fournisseur de circuits intégrés, ne déploie pas d'appareils en propre ni de réseau, donc je ne peux pas donner de chiffres, communiquer sur ce genre d'éléments. Mais par contre, pour donner un ordre d'idée, par exemple, juste récemment, le gouvernement indien a sélectionné Wison pour la prochaine phase de déploiement de compteurs intelligents sans fil dans le pays. Et donc chaque phase du projet se compte en plusieurs centaines de millions d'appareils vu l'échelle de l'Inde. Et donc Silicon Labs travaille avec les principaux fournisseurs pour ce marché et d'autres marchés dans le monde. IPv6 est indispensable pour que l'IoT délivre sur ses promesses. Sixlopan est utilisé dans les réseaux maillés, où un relayage est nécessaire. Mais une autre catégorie de réseau est apparue. Elle permet de se passer de routage, mais réduit encore plus la bande passante disponible. Il s'agit des réseaux LP1, Low Power Wide Area Network. On peut avoir des débits de quelques bits par seconde et des trames d'une dizaine d'octets. Pour cela, il a fallu développer une nouvelle couche d'adaptation auxquelles l'IMT Atlantique et la société Aclio ont fortement contribué, appelée SCHC ou SHIC. Comme on le voit sur le schéma,
l'idée n'est pas de redéfinir une nouvelle pile, mais de généraliser la compression introduite par Cyclopan. Au lieu d'avoir la même compression dans un ensemble de nœuds, Chic va se baser sur des règles définies pour un trafic et une technologie de réseau donné. Il s'agit d'un fonctionnement en point à point, et les deux extrémités doivent disposer du même jeu de règles. Quand un paquet arrive, le ou les entêtes vont être analysées et une description abstraite va en être faite. Les deux extrémités disposent d'un ensemble de règles et l'émetteur va chercher une règle adaptée. La règle, en fait, contient tout ce qui est prévisible dans le ou les entêtes. Cette information va être supprimée et remplacée par le numéro de la règle, ce qui permettra à l'autre extrémité de trouver comment faire l'opération inverse. Si le résultat de la compression est toujours trop grand, Chic dispose aussi de règles de fragmentation efficaces qui permettent de découper le message en fragments et de les réassembler à l'autre bout. Nous avons demandé à Rémi Desmerlet de nous expliquer pourquoi la LoRa Alliance ainsi que la DLMS Association avaient choisi Chic pour LoRaWAN. Pour Semtech, qui est un fabricant de semi-conducteurs américains spécialisé dans l'IoT, nous faisons aujourd'hui des semi-conducteurs qui sont utilisés pour la technologie de LoRa et pour aussi le cellulaire. Nous faisons aussi des routeurs et nous avons des cartes SIM, des offres de connectivité. Alors, LoRa, effectivement, est une technologie qui a été développée en 2012 et acquise par Semtech à cette époque. Cette technologie a permis en 2015 la création d'une association qui s'appelle la LoRa Alliance, qui spécifie en fait le protocole réseau qu'on appelle LoRaWAN. LoRaWAN, aujourd'hui, est un protocole ouvert qui est reconnu par l'ITU, qui est maintenu donc et certifié par la LoRa Alliance. Dans la LoRa Alliance, sur on va dire les 400 membres, il y a quand même une cinquantaine de membres qui sont des universités ou des instituts de recherche qui donc collaborent. Et c'est important hein, pour des industriels comme des opérateurs de réseau de pouvoir s'appuyer sur des compétences et des experts qui viennent du monde universitaire, qui viennent aussi des instituts de recherche. Mon rôle chez Semtech est au marketing pour LoRa, où je continue à développer l'écosystème et à favoriser l'adoption de la technologie sur le segment des ce qu'on appelle des utilities. Donc, c'est-à-dire pour que LoRa puisse être utilisée dans les compteurs électriques, les compteurs d'eau, les compteurs gaz, par exemple, mais aussi dans beaucoup d'autres applications. J'ai pris en fait au sein de la LoRa Alliance les fonctions à la fois de chairman sur le groupe Smart Utilities et à la suite de cela, définit une stratégie pour que l'on puisse standardiser LoRaWAN pour les applications de smart metering. Alors, le défi technique pour supporter les protocoles Internet sur un standard comme LoRaWAN sont élevés parce que IPv6, UDP entraîne un overhead important. C'est 40 et 8, donc ça fait 48 octets à supporter d'emblée dans chaque transmission de données. Sur une payload utile en moyenne en Europe qui est de 51 octets, ça ne laissait que 3 octets de disponibles. Donc cette nouvelle technologie qui a été standardisée par l'IETF s'appelle Chic Static Context Header Compression. C'est cette technologie-là que nous avons choisie pour permettre le support d'applications Internet sur LoRaWAN. Donc aujourd'hui, nous disposons de l'arsenal nécessaire pour permettre le support à l'international de standards comme DLMS. Mais il y a aussi d'autres applications qui utilisent IPv6. On pense par exemple à Matter, qui est le standard en pleine émergence pour le smart home. Et de là, le smart building. Mais il y a aussi dans la logistique l'utilisation de standards comme GS1 pour tout ce qui est RFID asset tracking et qui nécessite aussi
des protocoles utilisant Internet. Le volume potentiel que peut adresser LoRaWAN représente dans les 50 millions de compteurs par an. Après, sur le volume dans le smart home, on parle de 70 millions par an, selon les analystes. Donc, il y a effectivement un très grand marché de masse qui attend d'utiliser des technologies comme LoRaWAN, parce qu'elles sont très efficaces en termes de consommation d'énergie, mais aussi en termes de versatilité et d'emploi dans différentes configurations, que ce soit des petits ou des grands réseaux, en smart home bien sûr aussi. Donc il y a une convergence hein, dans les technologies, et c'est pas, je pense, anodin si Orange, au même titre que les autres, a collaboré au développement de Chic. Orange est un opérateur qui à la fois dispose d'un réseau LoRaWAN en France, mais aussi de réseaux cellulaires en France et dans d'autres pays. Donc, pour un opérateur tel qu'un opérateur comme cellulaire, il y a tout intérêt à utiliser aussi Chic pour la compression et la fragmentation de protocoles un peu lourds, on va dire au départ, pour optimiser l'utilisation de leur bande passante. Chic peut s'employer pour, par exemple, des réseaux NB-IoT. Chic a aujourd'hui un potentiel de développement énorme parce qu'il est déjà plus efficace que 6LoWPAN et que d'autres technologies précédentes. Et puis, deuxièmement, parce que de plus en plus, on se penche sur la question de la consommation énergétique. On va vers des objets qui sont autonomes, hein, qui sont alimentés par énergie solaire ou mécanique ou d'autres moyens. L'énergie harvesting est très populaire et c'est une tendance qui ne s'arrêtera pas, qui continuera à se développer. Donc, il faut chercher à économiser davantage encore l'utilisation des trafics et de communication. Voilà, nous avons présenté dans cette vidéo les couches basses qui ont été adaptées pour permettre l'Internet des objets. Pour résumer, le but de l'Internet des objets, c'est de faire la même chose, mais différemment. La même chose, car au niveau applicatif, les données des capteurs doivent être intégrées facilement et de manière sûre dans les systèmes d'information existants. Différemment, car il faut arriver à limiter la taille des messages, tout en garantissant l'interopérabilité et la sécurité de bout en bout. En fait, les standards sont des outils de compétitivité. Ils évitent de redévelopper en interne une solution qui paraîtrait peut-être plus optimale, mais qui finalement enfermerait la solution et l'empêcherait de s'intégrer dans un environnement plus complexe et qui aussi bloquerait son évolution.